Oui, je suis là encore, je suis pas tout à l'heure. Je voudrais que vous me posiez la question vraiment en parlant, si c'est possible. La première, qu'est-ce que c'est? L'objet de votre visite. Le but de ma visite, ce n'est pas dans les certains termes que le journaliste dit que le président Hassan Gülay a été convoqué par le président de la République. Négatif, ce n'est pas ça du tout. C'est moi-même qui a demandé en rendez-vous le président de la République française pour en discuter la baie de la Corne de l'Afrique et puis celle du Proche-Orient. Et la coopération, bien entendu. Et où en est la coopération après 2 ans d'indépendance? La coopération, ça marche très bien. Il y a une question de technicité. Nous voulons, ce n'est pas la quantité qu'il faudrait, c'est une question de qualité qu'il nous faut. Monsieur le Président, vous n'allez pas vous-même à Monrovia, mais je crois que vous y avez dépêché votre ministre des Affaires étrangères, est-ce exact? Pour deux raisons personnelles, nous avons décidé de mandater le ministre des Affaires étrangères qui se rendra à Monrovia. La délégation de Djibouti existe déjà à Monrovia. Monsieur le Président, qu'attendez-vous de ce sommet de Monrovia pour Djibouti et pour l'Afrique? Mais je crois que il y aura pas mal de discussions, mais je crois que les Africains ils seront sages de ne pas casser le loya. Monsieur le Président, selon certaines sources d'information, les attaques militaires auraient eu lieu vers votre pays en provenance de l'Éthiopie. Êtes-vous en mesure de confirmer ces informations? Des attaques militaires? Négatif, ce n'est pas une attaque militaire, mais je voudrais d'abord vous répondre en vous demandant de faire l'addition de ce qui se passe en Europe. Dans chaque minute, il y a 2 explosifs ou 3 explosifs. Mais pourquoi celui de Djibouti que tous les 2 ans ou tous les ans, s'il y a des petites crapiches, on ne peut pas le généraliser? Vous confirmez qu'il y a eu des infiltrations en provenance de l'Éthiopie dans votre pays? Pas tout à fait. Pas tout à fait. On dirait qu'il y a certaines infiltrations, mais ce sont des discussions qu'on peut parler avec le pays limitrophe, en Éthiopie par exemple, que vous faites l'allusion. Monsieur le Président, c'est ce que nous avons discuté avec le pays voisin